Les coups de canon ont également résonné au-dessus d'Omaha Beach, au cimetière de Colville, où sont enterrés plus de 9300 soldats américains. Barack Obama a rendu un vibrant hommage aux GIs tombés en Normandie, ainsi qu'aux vétérans présents à la cérémonie. Quand le monde vous rend cynique, arrêtez-vous une seconde et pensez à ces hommes. Si vous pouvez, levez-vous ou levez votre main pour que nous puissions, une fois encore, leur montrer notre reconnaissance. Ces hommes ont fait la guerre pour que nous puissions connaître la paix et être libres. Ils ont combattu avec l'espoir qu'un jour nous n'aurions plus besoin de nous battre. Nous leur en sommes reconnaissants. Un hommage a également été rendu aux soldats britanniques à la cathédrale de Bayeux en présence du couple Cameron et des membres de la famille royale dont le prince Charles et son épouse Camilla. La reine a déposé une gerbe au cimetière militaire où reposent plus de 4600 soldats. Puis les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour un déjeuner au château de Bénouville, l'occasion d'une grande photo de famille pour célébrer, malgré les tensions actuelles, l'unité des nations.